Ah, ce bruit. Et on se retrouve sur War Thunder avec le Wyvern S4. Et boum, je ne suis pas en place cette fois-ci. Donc, petite vidéo pour vous dire comment le jouer et s'il vaut son prix. Donc, en tout, il est à 30€ pour Meagle & Eagle et pour 15 jours de premium, ce qui est largement suffisant. Je précise davantage que cet avion n'est pas du tout un chasseur. Parce que ce n'est pas fait pour, hein. 32 secondes de tour, 2 ans de tour, c'est pas du tout fait pour être un chasseur, même si à chaque fois j'ai envie d'aller sur les P109, mais on va éviter. Hop là, on va tenter la roquette. Juste à côté, dommage. Même si c'est vrai qu'il me tente beaucoup. Allez, puis merde. Voilà, j'en avais envie. Donc je disais ne pas faire de... Ah, fais gaffe. Ah ! What? What the... Oups. C'est pas ma faute. Le pauvre, je les pilote snipe à la roquette. Oh mais merde quoi. Putain, je voulais pas. Oh, je me sens vraiment con là. À la base, je voulais juste me faire la case masse et puis bah, j'ai cru que ça allait passer, et puis bah pas du tout. Ok. J'ai dit ok, moi je vais pas m'élargir sur le moment. Donc en clair, le Wyvern, comme vous l'entendez, ou magnifique son de son engine, c'est un petit turboprop, c'est le seul avion de ce type dans le jeu. Donc il a une accélération pas dégueulasse. Il a un emport de bombe, si je ne me trompe pas, il a 16 roquettes comme vous pouvez le voir maintenant. Allez, le même type de roquette comme ça. 16 roquettes de calibre plus petit qui sont de la paix. Il y a aussi 8 roquettes qui sont de la paix mais qui sont pas top top. Oh non, c'était dessus quand même. Pas du tout. Et sinon, il a 3 bombes de 1000 qui se larguent indépendamment. Et une autre team est morte. Lol. Une team de type pas bonne. Oh mais non, mais ça passe au-dessus. Donc là, après, quand vous avez plus de roquettes et que vous avez essayé de faire un peu de cible au sol pendant que votre team se fait littéralement défoncer le cul, bah en fait, vous runnez. Parce que vous pouvez runner vu que c'est un avion qui est fait pour le runnage, MDR. Non pas du tout. Même si on va dire que... Ah, ce doux son de petits bruits de jet. C'est tellement agréable. Je vois qu'on est plus que 3. C'est intéressant. Et j'ai aussi que je vais mourir dans de la trop souffrance. Donc en clair, le Wyvern est un avion d'attaque au sol qui est un excellent avion dans ce type. En fait, si je me retourne, je meurs. Mais si je me retourne pas, je meurs. Donc en fait là je pense que je vais mourir. Et je suis pas très fan de cette option en fait. Donc, si le faux faux wolf peut venir m'aider, ce serait cool. Wolf. Oh wolf. Là. Au revoir. Allez, on y va. Il est temps de recycler cet avion en chasseur. Comme on pourra. Si
ça pourrait éviter de sparkle, ce serait cool. Ouais, il a plus de cogue. Au revoir. Prends de la vitesse, mon goût. Prends mon... Waouh. Non, pas comme ça. Prends de la vraie vitesse. Oh oh. Oh no. I'm on the shit. Bon, bah là, on a la petite... Oui, 2 kills, 3 cibles au sol, c'est pas dégueulasse, mais... Et man, j'ai les flaps. Quel coup. Au revoir. Lol. C'est ça qui est marrant avec cet avion. Vu que vous avez un temps de tour qui est dégueulasse, vous prenez un maximum de vitesse, et après vous faites un sort de head-on un peu bizarre. Du mieux que vous pouvez. Sauf que là, j'essaie de les amener à l'airfield. On n'est plus que 2 versus 1, 4. On est 2 versus 4, dont 2 qui sont spot juste là. Le petit Mustang que je veux dire peut venir m'aider, ce serait cool là. Turbo plane. Facile de me prendre. Vous pouvez pas. Oh, bah regardez, il me suit en plus qu'il y a l'airfield. Quel bon du coup. Au revoir. Allez, bon vol. Ah lol. Cet avion est une pure perle. Bon bah là ils sont 3, donc je pense que je vais mourir incessamment sous peu. Qu'on ne se le cache pas. Bon voilà. Ils sont vraiment cons pour aller sur l'airfield. Come here, comrade, come here. Il va se faire down, je suis sûr. Pouf. Bon bah 2v2. Il y avait pilote snipe. Lol. Bon bah lui n'est plus spot. Lui va probablement se faire retuer pour ralentir s'il essaie de me plonger dessus, j'imagine. On va le faire forcer à plonger. Allez, viens ici, petit. Bah voilà. On vient de la win en fait. Oh, ce son. Ça, c'est une moto. On a plus une tondeuse qu'autre chose, mais... Ah, et c'est la muerto pour les collègues. Oh oui, essaye de run. Oh mais tu es tellement malin. Tu vas te faire rec par l'entière en plus. Omir. On dit qu'il faut pas dogfight avec ce truc. Je ne mentais pas. Tu veux vraiment me suivre jusqu'à mon airfield? Bon, ouais, d'accord. Bon, il est temps de faire un miracle avec le Eden. Tada! Voilà. 3 kills. C'est raisonnable. j'ai j'avoue. Un petit GG. Et puis, moi les gars, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en pensez de cet avion. 50 sur 50, pas mal. Et sur ce, bon vol à tous et ciao.